Comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour compter combien on a dans la petite boîte. Ah zut. Donc on va compter ça. Là, je vous le cache pas, on est toujours dimanche 24. Vous la voyez le 25. Vous aurez, je sais pas encore dans quelle heure je vais monter la vidéo, mais si je le mets avant, si je le mets après, si machin. Voilà, si je mets le tirage au sort avant, enfin voilà. Bref, on va compter les sous. Allez, tu vas t'arrêter. T'as pas marché pendant 2 jours et là tu vas marcher. C'est bon, bah écoutez, on va compter avec la chanson. Hein. Franchement, il y a énorme. J'ai pas compté avant, hein. Je découvre en même temps que vous. Hein. Donc là, on a 4 euros. C'est les seules pièces qu'on a. C'est trop bien. Je vais d'abord ranger les billets, on comptera après, si vous voulez. Ah, merci beaucoup, madame. Si vous voulez compter pendant que je trie les billets, je vous en prie. Vous aurez le résultat avant moi. Mais c'est pas vrai parce que moi j'aurai déjà le résultat vu que je filme en avance. Franchement, en 24 jours on a mis tout ça. En 24 jours. Après, mes épargnes pour Noël étaient là, donc j'ai pas eu à piocher plus que ça dans mon porte-monnaie. C'était pour. On a mis moins de sous en économie, mais c'est pas grave, il nous reste 2 semaines pour bien charger le 52,8. Voilà, c'est le seul qui me reste. Ah, oh, il y a un billet de 5, je ne l'avais pas vu. Flûte, main. Bah, il va aller dans le défi des 5 euros, non? Parce que je ne mets pas de 5 et de pièces dans mes épargnes, hein, je vous le rappelle. Voilà. Oh, c'est... Franchement, il est énorme. Alors, j'ai pas mis les 300 euros qui étaient max, hein, c'est sûr. Mais, on a mis pas mal. Hein. Ils sont bons, ils sont bons. Il n'y en a plus, ça y est. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il reste que les 4 qui sont là. Allez, on va compter. Oh, je suis trop contente. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc 120 euros. Je vais le noter. Ne rechante pas, s'il te plaît. Ah. Je vais mettre à quel. 120. Ici, en billet 10, on a 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus 130, oh là là, plus 9, 5 et 4, 9, plus 9. On a mis 259 euros dans la boîte du Joyeux Noël. C'est génial. Franchement, je suis ravie. Ravi de commencer l'année 2024 avec déjà dans mon épargne Noël autant d'argent. Franchement, j'en reviens pas. C'est et enfin je l'ai pas mal vécu. Il y en a qui ont peut-être mal vécu. Hein. Moi je l'ai pas mal vécu déjà parce que j'ai passé ce super mois avec vous et j'en suis ravie. C'est un moment, enfin vraiment, chaud à mon cœur. Franchement, il m'a fait tenir ce mois de folie à fond. Enfin voilà, vos messages, vos commentaires, d'avoir partagé avec vous. J'ai passé vraiment un excellent moment. Et voilà, je suis ravie, ravie. Alors on va mettre, c'est celui-là ou pas? Oui, c'est celui-là. Aurélie, décidément. Alors, j'ai toujours pas effacé. Ça tombe bien vu qu'on va en rajouter. Donc, on avait 30 euros. Je vais y rajouter 250 euros. C'est fou. Décembre. Joyeux Noël. Plus... 250, on est donc à 280 euros pour l'épargne Noël. C'est juste exceptionnel. C'est génial. Alors, je sais qu'il y en a qui sont arrivés aux 300. Franchement, chapeau à vous. C'est top. Voilà, moi, je suis vraiment très contente de ce que j'ai réussi à mettre dedans. C'est un truc de fou. Je commence 2024 avec 280 euros dans cette épargne-là.
ça va être un stress en moins. Il y a des défis qui sont prévus pour le remplir encore. C'est top. C'est génial. Et ça, on va mettre dans les défis. Allez, je ressors le classeur défis. Tac. Enfin, je le ressors. Pour vous, non. Hein. Pour moi, oui. Je vais mettre 5 euros dans le défi des 5 euros. Hop. Et ce sera celui-là. Il me faut ma petite éponge. Un petit coup de pouce là. On va écrire. Joyeux Noël. Je ne sais pas si vous voyez. Oh, la déco. Joyeux Noël. 5. Donc on est à 395. Je pars en vacances avec 395 euros. C'est top. C'est top. On va manger des crêpes. On va se faire plaisir. J'ai pas coché. Tiens, je vais en profiter avec vous. Si vous l'avez pas vu, vous saurez ce que j'ai dans le défi flash. Je suis tombée sur celui-là. Je l'avais pas coché. Je l'ai bien mis. Hein. Le billet, il est là. Mais je n'avais pas coché. Voilà, ça c'est fait. Et je me tâte à mettre les 4 euros là, plutôt que dans le défi d'or. Parce que là, il me manque 138 euros. 138 euros, le défi d'or, je sais que je ne l'aurai pas fini. Et il est prévu de rester l'année prochaine. Donc, ce n'est pas 4 euros qui changeront ma vie. Donc, je vais mettre les 4 euros ici. J'ai pas mis le billet de 5, hein, par contre. Aurélie. Voilà. Le billet de 5, il est là. Et on va mettre les 4 euros dans le défi flash. Le 52X. C'est le bazar, mon bureau. Vous aurez remarqué, c'est le dernier jour. Plus rien ne tient. Allez, hop. Qui nous fait 1244. Joyeux Noël. €1244. Je l'ai rangé. Je vais cocher le 4 qui est là. Voilà. Je regrouperai au bilan de la semaine s'il y a besoin. Mais ça, c'est top. Je suis trop contente. Trop contente. Je range ça. Et voilà. Je remets bien ma petite déco quand même. Écoutez, je ne doute pas que vous avez passé un excellent moment avec moi pendant ce mois, vu que vous me l'avez dit. Très clairement, ça va me manquer. Ça va me faire beaucoup de bien, cette petite semaine de coupure. Mais ça va me manquer. Ça, La coupure va être radicale, quand même. Voilà. Franchement, j'ai passé un excellent mois de décembre. Je vous le redis, je ne sais pas quand je vous l'aurais dit, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous dis à dimanche, à mercredi, pour le budget du mois de janvier. On prévoit le budget du mois de janvier, donc ce sera une vidéo de la série On prépare 2024, hein, parce que ce sera le premier mois, donc il rentre dans ce thème-là, parce qu'il y a des changements au niveau du budget. Donc, je vous laisse avec le concours et je vous fais plein de gros bisous, enfin avec le résultat du concours, enfin du cadeau, c'est pas un concours, c'est un cadeau. Je vous fais un cadeau de Noël à l'une d'entre vous. Je suis désolée, il n'y en aura qu'une. J'ai essayé d'en faire quelques-uns avec le temps que j'avais, enfin pas les moyens, mais enfin les moyens de temps surtout.
Donc voilà, moi je pense que 4 cadeaux, c'est pas mal quand même sur ce petit mois. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse. Et nous revoilà pour le tirage au sort. Alors, attendez, vous bougez. Pardon. Donc je fais le tirage au sort, on est le 25, je vous souhaite encore un joyeux Noël, je crois que je vais vous l'avoir dit beaucoup dans cette vidéo, donc voilà, bah écoutez, ce petit classeur vous a beaucoup plu, je suis ravie qu'il vous plaise, donc il est en format A7, hein. Et donc voilà, donc j'ai bien pris la bonne vidéo, hein. J'ai pris... la vidéo système des enveloppes calendrier de l'Avent J24. Voilà, je retourne là. Trouver des commentaires. Et il va voir, je me connecte. Oh, mais zut, Aurélie. Attendez, je fais pause. Voilà, alors on y est pour le tirage au sort. Du petit concours, enfin du petit cadeau que je vous offre. Je suis contente, il vous a beaucoup plu. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je suis fatiguée. Coucher très tard, lever pas tard. Ça donne un peu du n'importe quoi. Allez, hop, c'est parti. Ça charge pour les commentaires. Donc, on a un gagnant. Je suis désolée, je ne peux pas tous vous faire gagner. Compte à rebours 10. On est bien dedans. Hop. Les commentaires sont là, on en a 96, donc vous êtes 96 à participer. Voilà, voilà. Hop, et on va lancer ça. Non, c'est par là. Oui, j'arrive, papa. J'arrive. Laetitia Béra, merci pour ce calendrier et l'avant passé de bonnes fêtes de fin d'année. Bah écoute, merci à toi. Je te laisse m'envoyer un petit message sur Insta ou un mail et pour que je puisse te l'envoyer. Je te fais des bisous et à la prochaine. Bye. Coucou. Je voulais vous souhaiter un joyeux Noël en face cam. Voilà, donc voilà, vous souhaitez un joyeux Noël, vous remercier pour ce mois de décembre qu'on a partagé ensemble. Franchement, j'ai été ravie de le faire, j'ai passé un excellent moment, un excellent mois de décembre. Ça a été juste magique. Vous allez, je suis encore en train de réfléchir à comment j'allais faire mon montage demain matin, savoir comment je vous mettais tout, dans quel ordre et tout. Donc je sais pas. voilà, on a passé une très très bonne soirée. Voilà, c'était simple, je voulais filmer et comme ben, quand on reçoit, on court dans tous les sens, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, là on a tout rangé, la vaisselle, le peu de vaisselle qu'il y avait parce que j'avais pas grand chose est faite, la cuisine est rangée, on a aspiré, lavé par terre, mais ça c'est une habitude chez nous. Voilà, on passe à la journée suivante, on n'a rien à faire, demain matin on ouvrira les cadeaux tranquillement et sans avoir à se dire qu'il faut tout nettoyer avant de recommencer et de repartir pour recommencer. Tout est fait, on se couche et on est tranquille. Donc voilà, j'espère que vous avez également passé un bon réveillon pour ceux qui réveillonnaient. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vais aller me coucher parce que je suis bien fatiguée. J'ai pas fait de sieste. j'ai fini tout mon repassage après mes vidéos du matin. L'après-midi, je suis retournée dans mon bureau. J'ai terminé les commandes. Il m'en reste qu'une. Et je pense que je n'aurai pas le temps. Je suis désolée, Sylvie. En fait, c'est une enveloppe noire. Si j'ai le temps, vraiment, je m'en occupe demain. Mais
je crois que je n'aurai pas le temps. Donc voilà. Mais enfin voilà. Sinon, j'ai réussi à écouler, à tout écouler. Donc voilà. Tout est fait, hein, les enfants. Voilà, je parle là pour Sylvie. Si tu regardes la vidéo, je te dis, je ne reviens pas quand on aura le temps. Les enveloppes sont faites, les défis sont faits. L'enveloppe noire, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas au bon format, donc elle ne rentre pas dans une enveloppe zip. Donc il faut que je refasse. Bon, je vous ai fait bouger là, j'étais. donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Les cadeaux sont déjà en place. Tout le monde a descendu les siens. J'ai laissé les garçons faire, mettre les cadeaux en place. C'est la première année. Hein. D'habitude, je gère toujours tout. Là, je les ai laissés. Nolan a fait deux vagues. Il y en avait dans mon bureau et dans notre chambre. Ils ont descendu les leurs. Parce qu'ils nous font des petits cadeaux aussi. Donc voilà, c'est un peu le bazar, c'est pas bien organisé, mais c'est pas grave. Vu comment ça finira demain, c'est pas grave. donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse soit avec la suite. Ouais, je pense que je vais faire le face cam en premier. Donc là, je vous laisse avec la suite. Et la suite, c'est le montant qu'on avait dans cette petite boîte qui nous a chanté quasiment pendant 24 jours. Hein. Elle a eu 2 jours, elle est un peu plus faiblarde, mais elle a tenu quand même jusqu'au 24e jour, même 25e, parce que je crois que quand j'ouvre la boîte, elle chante. Je crois. Je ne me rappelle plus. donc voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve mercredi pour le budget du mois de janvier. Voilà, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir partagé cette aventure avec moi pour ce mois de décembre. Et on est fin prêt quasiment pour le mois de janvier. On termine ce mois de décembre, qui est pas mal. Et on se retrouve après pour le mois de janvier. J'ai hâte pour utiliser mes nouveaux supports et tout. J'ai trop hâte. Allez, bye!